de lettres, homme d'érudition. Encore? Homme de suffisance, homme de capacité, homme consommé dans toutes les sciences naturelles, morales et politiques. Homme savant, savantissime, père homme neuf, modo secatus. Homme d'hypothèse superlative, fable, mythologie et histoire. Grammaire, poésie, rhétorique, dialectique et sophistique. Mathématiques, arithmétique, optique, onicrocritique, physique et métaphysique. Cosmimométrie, géométrie, architecture spéculatoire et spéculoire. Médecine, astronomie, astrologie, physionomie, métoposcopie, chiromancie, géomancie, etc. Oh! Au diable les savants qui ne veulent point écouter les gens. On me l'avait bien dit que son maître Aristote n'était qu'un bavard. Il faut que j'aille trouver l'autre. Il est plus posé et plus raisonnable. Oh là!